Hello à tous, bienvenue sur ce live, je vous laisse vous installer. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live, je vous laisse vous installer. Je suis en train de mettre la musique, de terminer mes dernières installations. Puisque je vais double filmer avec une petite caméra au cas où il y ait un petit souci et que ça bug. Hop. Aujourd'hui, donc pour cette séquence de vinyasa qui va durer entre 45 minutes et 1 heure, vous aurez juste besoin de votre tapis. C'est tout. C'est un cours qui est tout niveau, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas particulièrement accessible seulement aux débutants. Il est accessible à tous. Peut-être que pour les débutants, ce sera parfois un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à vous accrocher, et si vraiment vous voyez que c'est trop difficile de suivre cette séquence, sachez que je donne quand même un cours spécialement pour les débutants les mardis soirs avec Maya Chala. Voilà, je vais juste mettre ma caméra et on va commencer. Hop. Vous êtes déjà nombreux, trop bien. Voilà, hop. Et voilà, est-ce qu'on voit bien? Oui, on a l'air de voir à peu près ce qui se passe. Hop, hop, ok. Ok, bah c'est parti, je vous laisse vous installer. Je désactive les commentaires juste parce que sinon vous n'allez pas voir la moitié de la session. Donc je me permets de désactiver vos commentaires. Hop. Voilà, désactiver les commentaires. Ok, je mets la playlist en route et on y va. Vous pouvez vous asseoir sur votre tapis, on va commencer. Asseyez-vous en tailleur. Posez les mains sur les genoux. Allongez la colonne vers le ciel, les épaules vers le bas. Le menton est parallèle au sol. Fermez les yeux, détendez les muscles du visage. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Essayez de calmer le mental, calmer le flux de vos pensées et de vraiment arriver dans votre pratique. Connectez-vous à votre respiration naturelle. Sentez l'air qui, à chaque inspire, rentre dans les narines et gonfle les poumons. À chaque expire, l'air qui ressort par les narines, la cage thoracique qui se dégonfle.
Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Du poids de vos mains sur vos genoux. De la chaleur qu'elle dégage. Continuez d'allonger cette colonne vers le ciel, ne relâchez pas la posture. Un petit exercice de respiration aujourd'hui qui s'appelle la respiration alternée Nadi Shodhana. On va placer l'index et le majeur sur notre chakra Ajna, entre les deux yeux. Votre pouce va vous servir à boucher la narine droite et les autres doigts vont servir à boucher la narine gauche. On va respirer en bouchant une fois la droite, une fois la gauche. On va commencer en bouchant la gauche. Inspire à droite. Bouche les deux. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche les deux. Et expire à droite. Inspire à droite. Bouche les deux. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche les deux. Et expire à droite. Dernier cycle. Inspire à droite. Bouche les deux. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche les deux. Et expire à droite. Relâchez les mains sur les genoux. Retrouvez votre respiration naturelle. Peut-être que vous sentez que c'est plus facile de respirer. Que vous êtes un petit peu plus présent. On va joindre les mains en prière devant le cœur, les pouces qui pressent contre le sternum. Je vais vous laisser poser votre sankalpa. Votre intention sur votre pratique. Peut-être que vous avez envie de vous adresser quelques mots, de dédier votre pratique à quelqu'un qui vous est cher et qui en a besoin. Peut-être qu'il y a un mot qui vous inspire aujourd'hui, qui va vous guider pendant votre pratique et en dehors du tapis. Je vous laisse poser votre intention. Une fois que c'est fait, on va ouvrir la pratique en chantant ensemble le son de Om, inspiré profondément par le nez. Résonne dans la cage thoracique et on va doucement reposer les mains sur les genoux. Prenez le temps d'ouvrir les yeux pour arriver dans la pratique. Entrelacez les mains entre elles. Inspire, ramène vers toi.
Et expire, repousse vers le mur, arrondis le dos le plus possible. Inspire vers le ciel, essaye d'espacer les épaules de ses oreilles. Et expire, ouvre. Encore, inspire vers toi. Et expire, repousse, arrondis le dos au maximum. Inspire vers le ciel. Et expire, ouvre. Inspire vers toi. Et expire, repousse vers le mur. Inspire vers le ciel. Et expire, ouvre. Dernière fois, inspire vers toi. Et expire vers le mur, arrondi au maximum ce dos. Inspire vers le ciel. Et expire, ouvre. On va marcher les mains vers l'avant pour aller étirer tout notre dos sur le sol. On essaye de ne pas décoller les fessiers. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Tranquillement, on va marcher vers la droite pour aller étirer tout le flanc gauche. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Et marche cette fois-ci vers la gauche pour aller étirer tout le flanc droit. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire, reviens au centre. Et on va tranquillement repousser sur les mains pour dérouler le dos et revenir à notre position de départ. On va passer tranquillement à quatre pattes. Je vous laisse vous installer. À quatre pattes, écartez bien les 10 doigts dans le sol, alignez les poignets sous les épaules, écartez les genoux de la largeur des hanches, les genoux sont sous les hanches, sous le bassin. Sur l'inspiration, on va creuser le dos, regardez vers le ciel. Expire, arrondi depuis le bas de la colonne, repousse dans ses 10 doigts, aspire le nombril. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. On va revenir dans un dos neutre. On va marcher les mains vers l'avant du tapis. Les fessiers, eux, restent au-dessus des genoux. Ils ne vont pas s'asseoir vers l'arrière. On reste ici. Et on va aller déposer le front sur le tapis. Si on sait que la posture complète est accessible, les personnes qui ont l'habitude de cette posture et le dos plutôt souple, vous pouvez aller chercher complètement le sol, poser la poitrine et le menton sur le sol. Inspire. Expire. On étire tout le haut du dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration. Expire. Tranquillement, on va repousser sur ses mains. Et cette fois-ci, on va marcher vers l'arrière pour aller déposer les fessiers sur les talons. Balasana, posture de l'enfant. Le front est sur le tapis. On étire bien les mains et les bras vers l'avant du tapis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va revenir à quatre pattes. Crochetez les orteils. Sur la prochaine inspiration, on va tendre le bras droit, la jambe gauche vers l'arrière. Allongez. Expire, touche. Inspire, allonge. Expire, touche. Inspire, allonge. Expire, touche. Dernière, inspire, allonge. On va reposer la main droite sur le sol. Le pied derrière à 90 degrés dans le sol. Allonge le bras gauche vers le ciel. Vasisthasana, inspire. Expire.
redescends à quatre pattes, on change les appuis. Cette fois-ci, c'est le bras gauche et la jambe droite. Inspire, allonge. Et expire, touche. Inspire, allonge. Expire, touche. Inspire, allonge. Expire, touche. Dernière. Inspire, allonge. Dépose la main gauche sur le tapis. Le pied derrière à 90 degrés dans le sol. Ouvre le bras droit vers le ciel. Vashistasana, planche latérale. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reviens à quatre pattes tranquillement. Ok, on va avancer les mains légèrement vers l'avant du tapis. Crocheter les orteils. Sur la prochaine inspiration, on va envoyer les fessiers vers le ciel dans notre premier chien tête en bas. Dans ce premier chien tête en bas, vous pouvez garder les talons décollés du sol et les genoux pliés. L'important, c'est vraiment de ne pas avoir ce dos rond. Il vaut mieux plier les genoux pour aller aplatir ce dos et allonger, repousser dans les épaules plutôt que d'avoir le dos complètement rond et les jambes tendues. Ok, on va plier une jambe. Et puis l'autre pour essayer de trouver encore un peu plus de confort ici dans cette posture. Soyez doux avec vos corps. Étirez tranquillement l'arrière des jambes. On va stabiliser nos chiens tête en bas. Sur la prochaine inspiration, montez sur les orteils. Ondule le corps pour passer en planche. Expire, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Dernière, inspire en planche. Expire, chien tête en bas. On va joindre nos pieds côte à côte. Les gros orteils se touchent. Montez sur la pointe des pieds. Pliez les genoux, regardez entre les mains. On va sauter à l'avant du tapis et on va déposer les pieds à l'extérieur des mains. Malasana. S'installe. Dans Malasana, les coudes sont à l'intérieur des genoux, les mains sont en prière devant le cœur, on essaye d'allonger le dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Repose les mains sur le sol, on voit les fessiers vers le ciel, on va refermer les jambes. Les pieds ouverts à la largeur du bassin, micro-plie légèrement les genoux, attrape les coudes opposés, relâche complètement la tête, relâche la nuque, balance-toi de droite à gauche. Relâchez les bras vers le sol et tranquillement on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'en haut, la tête en dernier. Ok, une fois qu'on est en haut, collez les gros orteils ensemble pour prendre Tadasana, la posture de la montagne. Rétroversez le bassin pour engager les fessiers et les quadriceps. Ouvrez les épaules. L'énergie jusqu'au bout des doigts, le menton parallèle au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on va ouvrir les yeux tranquillement. On va partir pour deux salutations. Inspire, lève les bras vers le ciel et tire-toi. Uttanasana. Expire, va chercher jusqu'en bas. Uttanasana. Inspire, étire la colonne dos droit. Expire, relâche. Inspire, passe le pied droit et le pied gauche en planche. Pour la première, tranquille, pose d'abord les genoux, la poitrine. Le menton sur le sol. Inspire, glisse, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Tranquillement, on va marcher
Les pieds entre les mains, jambes tendues pour les plus avancées, jambes pliées pour les autres. Inspire, étire la colonne d'autre. Expire, relâche. Inspire, monte jusqu'en haut depuis la force dans les jambes. Expire, les mains devant le cœur. Et le long du corps, Tadasana, on repart. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urvastasana. Expire, va chercher Uttanasana jusqu'en bas. Inspire, étire la colonne d'autre. Expire, relâche. Inspire, place le pied droit et le pied gauche en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Lève les talons, plie les genoux, regarde entre tes mains. On va sauter vers l'avant. Inspire, étire la colonne dos droit. Expire, relâche. Inspire, remonte jusqu'en haut depuis la force dans les jambes. Et expire, les mains devant le cœur. Ok. Tadasana. Plie les genoux. Colle le ventre sur les cuisses. Inspire, lève les bras vers le ciel. Va chercher Utkatasana, sa chaise. Expire, relâche vers le sol. Inspire, étire la colonne. Expire, relâche. Inspire, passe le pied droit et le pied gauche en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. Le talon arrière à 45 degrés. Allonge le dos devant toi. Inspire, remonte dans ton guerrier 1. Expire, vérifie que les deux hanches soient bien en face de toi et pas ouvertes. Inspire. Expire, place les mains sur le sol. Inspire, en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. Le talon arrière à 45 degrés, allonge le dos. Inspire, remonte dans ton guerrier. Essaye de ramener encore une fois tes hanches vers l'avant. Presse tes deux pieds dans le sol. Expire, repose les mains sur le sol. Inspire, en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Lève les talons, plie les genoux, regarde entre tes mains. On va sauter entre les mains. Inspire, étire la colonne de droite. Expire, lâche. Plie les genoux, va coller le ventre sur les cuisses. Inspire, va chercher Utkatasana, ta chaise. Expire, relâche vers le sol. Inspire, étire la colonne dos droit. Expire, relâche. Trois fois, inspire, étire. Expire, relâche. Dernière, inspire, étire. Expire, relâche. Inspire, passe le pied droit et le pied gauche en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas, deux respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. Pose le genou. Le coup de pied sur le sol. Inspire, remonte en Janayasana. Ici, vérifie que la cheville soit bien sous le genou. Si tu as le pied trop proche, prends le temps de l'avancer encore un petit peu pour que ta cheville soit sous le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va placer les deux mains à l'intérieur du pied droit. Ouvre légèrement le pied droit vers l'extérieur. Crochète les orteils. Inspire, tends cette jambe gauche, rentre dans ton lézard. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Optionnel pour les plus avancés, si vous voulez passer sur les coudes, c'est possible. Inspire. Expire. On va remonter sur les mains. Replacez le pied entre vos deux mains. Sur la prochaine inspiration, on va faire un pas vers l'avant pour soulever la jambe gauche. On va plier ce genou droit et aller placer le genou gauche derrière lui pour s'asseoir sur le sol. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Expire. Va placer ce coude gauche derrière ton genou et chercher ton twist. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire tranquillement. On va relâcher le twist. On va se tourner vers la gauche complètement pour se retourner de l'autre côté du tapis. Inspire en planche. Et expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. Pose le genou, le coupe-pied sur le sol. Inspire, remonte en Janayasana. Encore une fois, fais attention à ta cheville et ton genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, repose les mains sur le sol à l'intérieur de ton pied gauche. Ouvre légèrement le pied gauche vers l'extérieur. Crochète les orteils du pied droit. Inspire, allonge cette jambe droite pour rentrer dans ton lézard. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration. On va tranquillement remonter sur les mains. Replacer le pied gauche à l'intérieur, au milieu des deux mains. Inspire pour faire un grand pas en avant. Plie le genou gauche, place le genou droit derrière ton genou gauche. Et tranquillement, on va t'asseoir sur le sol pour préparer ton twist. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Et expire, place le coude derrière le genou. Et prends ton twist. Inspire. Expire. Inspire, expire, inspire, expire. On va relâcher le twist. Tournez-vous complètement du côté droit pour aller chercher votre planche. Inspire en planche, expire. Chaturanga, inspire. Urdhva Mukha, expire. Chien tête en bas. Quatre respirations, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. Pose le talon arrière à 45 degrés. Allonge le dos. Inspire, remonte dans ton guerrier. Prends le temps de t'installer dans ton guerrier. Les deux hanches vraiment très en face, presse dans tes pieds. Expire, on va redescendre les bras le long du corps. Tranquillement, on va passer le poids du corps sur la jambe droite pour aller chercher notre guerrier 3. Inspire, on essaye d'être aussi droit qu'une planche. Expire, ramène les hanches vers le sol. Inspire. Et expire, on va descendre le buste vers le sol. Et on va essayer d'aller ouvrir encore un petit peu plus cette jambe gauche vers le ciel pour aller chercher standing split. Et tranquillement, on va redescendre la jambe. On va aller attraper
notre pied gauche avec notre main gauche. Et on va se relever la main droite sur la hanche droite. Peut-être que je reste ici. Si j'ai la souplesse, peut-être que je peux aller tendre ma jambe. Et placer mon bras derrière moi. Peut-être que je peux même aller ouvrir sur le côté avec mon bras de l'autre côté. Dernière inspiration. Tranquillement, on va refermer la jambe. On va placer notre jambe gauche par-dessus la droite pour tranquillement venir s'asseoir dans l'aigle. Placer le bras droit en dessous du bras gauche. Décollez les coudes, regardez devant vous, on s'assoit vraiment dans cette posture. Inspire. Et expire. Inspire. Expire, relâchez les bras, redressez-vous. On va tendre la jambe gauche une dernière fois derrière nous pour aller chercher un long, long guerrier 2. Posez-vous dans le guerrier 2. Les deux pieds pressent fort dans le tapis. L'arête extérieure du pied gauche lutte sur le tapis. Les bras se posent dans l'air. On ne laisse pas tomber le genou vers l'intérieur. On va tendre les deux jambes. Ouvrir les deux pieds. Et on va descendre Skandasana vers la jambe gauche. Inspire. Expire. Les coudes sont à l'intérieur du genou. Si vous avez besoin de placer les mains sur le sol, c'est possible. Mais utilisez les coudes pour ouvrir le genou. Allongez le dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va se tourner vers l'arrière du tapis. Vous pivotez simplement. La main droite reste au sol. Et la main gauche s'ouvre vers le ciel dans un simple twist. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Repose la main sur le sol. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Deux respirations, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, place le pied entre les deux mains. Le talon arrière à 45 degrés, allonge le dos, inspire, remonte dans ton guerrier 1. Expire. Inspire. Expire, place les deux mains le long du corps. Sur la prochaine inspiration, place le poids du corps sur cette jambe gauche. Décolle dans ton guerrier 3, inspire. Expire. Inspire. Expire, descends les mains vers le sol. Ouvre un peu plus cette jambe vers le ciel pour aller chercher standing split. Tranquillement reviens. Accroche l'orteil droit avec la main droite et relève-toi. La main gauche sur la hanche gauche. Peut-être que je reste ici. Peut-être que je tends vers l'avant. J'ouvre peut-être le bras gauche sur le côté et ma jambe droite sur le côté. Dernière inspiration. Expire, referme la jambe. Tranquillement, la jambe droite va se croiser au-dessus de la jambe gauche. On va chercher la posture de l'aigle. Le bras gauche sous le bras droit. Décollez les coudes du corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire. Expire, relâche la posture. Tranquillement, on va aller chercher avec notre jambe droite loin, loin, loin derrière un grand guerrier 2. Et on se pose sur l'air dans ce guerrier 2. Installe-toi. Ok, tranquillement, on va tendre la jambe. Ouvrir les deux pieds. On va descendre Skandasana dans notre jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration en Skandasana. Tranquillement, on va se tourner vers l'avant du tapis. Pivoter. La main gauche reste sur le sol. La main droite, elle va vers le ciel dans un simple twist. Inspire.
Expire. Inspire. Expire, redescends la main sur le sol. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Deux respirations, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, place le pied entre les deux mains. On va poser le genou, le coup de pied sur le sol et on va partir vers l'arrière dans un demi-Hanumanasana. Le genou reste sous le bassin. On essaye de ne pas aller trop loin pour s'asseoir sur sa fesse. On reste avec le genou très, très droit. Allongez le dos vers l'avant. Et tranquillement, on va revenir. Pliez cette jambe droite. Inspire, ouvre les bras vers le ciel. Et expire, redescend à Hanumanasana. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Ok. Si j'ai pas l'habitude, je reste ici. Si j'ai l'habitude de mettre le grand écart dans ma pratique, l'Hanumanasana complet, peut-être que je peux essayer de descendre tranquillement le chercher. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, tranquillement, on va ramener la jambe. Pose les mains sur le sol. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, place le pied entre les deux mains. Pose le genou, le coup de pied sur le sol. Et tranquillement, on va partir vers l'arrière pour nos demi-Hanumanasana. Allonge le dos, inspire. Expire. Inspire vers l'avant, tends les bras vers le ciel. Expire, relâche vers le sol, repars vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Comme tout à l'heure, si tu as l'habitude de mettre le grand écart dans ta posture, peut-être descends, va chercher ton écart. Sinon, si tu n'as pas l'habitude de pratiquer le grand écart et de l'inclure dans ta pratique, tranquille, reste où t'es. Deux respirations, inspire. Et expire. Inspire. Et expire tranquillement, on va ramener le genou. Repose les mains sur le sol, inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. On va plier les genoux, aller les poser sur le sol. Et on va aller chercher Balasana, la posture de l'enfant. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Les personnes qui souhaitent inclure Shavasana, la posture sur la tête, dans leur pratique maintenant, vous pouvez le faire. Les personnes qui ne l'ont jamais fait et qui ne savent pas de quoi je parle, vous restez ici, tranquillement, Balasana. Et si Balasana, ça ne vous convient pas, vous ne pouvez pas rester avec le front sur le sol trop longtemps, vous pouvez simplement vous asseoir sur vos talons avec les mains sur les cuisses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, prenez votre temps, cherchez Asana Family pour monter tranquillement, sans précipitation. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, cherchez Asana Family une fois que vous avez terminé votre montée et vos formes. Tranquillement, on va aller chercher la descente. Tout doucement. Et on
va tous se retrouver en posture de l'enfant avec les bras le long du corps, le front sur le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire tranquillement. On va rouler sur le sommet du crâne. Projetez les orteils. Entrelacez les mains dans le dos. Éloignez les bras du dos. Vous êtes en posture du lapin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va lever les orteils vers le ciel. Croisez les jambes derrière vous. Allez vous asseoir sur vos jambes croisées. On va allonger les deux jambes devant nous. On va flexer bien les pieds. Retirer la chair des fessiers si nécessaire pour s'installer un peu mieux. Inspire, allonge le dos vers le ciel. Et expire, descend vers l'avant. Vers l'avant. Vers l'avant le plus possible. Attrape ce que tu peux et respire. Inspire profondément. Et expire profondément. Inspire. Garde les pieds flex et expire. Si ça tire dans le bas du dos, n'hésite pas à plier un petit peu les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gagne peut-être quelques millimètres à l'expiration. Inspire profondément. Expire. Encore inspire. Expire tranquillement, on va repousser le sol petit à petit pour dérouler le dos. On va plier les genoux, rapprocher les fessiers des talons et on va aller s'allonger tranquillement sur le sol. Les pieds sont de la largeur du bassin, ils ne sont pas collés entre eux, pas trop espacés. Vous pouvez toucher vos talons avec vos doigts. Sur l'inspiration, vous allez lever les fessiers vers le ciel. Contractez bien les fessiers, poussez dans les pieds qui sont bien à plat. On a tendance à les faire rouler sur les côtés. Pressez dans les pieds à plat. Roulez les épaules sous le corps. Entrelacez les mains dans le dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tranquillement, on va redescendre vers le sol. Ok, laissez la colonne à plat, on va remonter dans cette posture, sauf pour les personnes qui veulent prendre le pont complet. Ceux qui ne veulent pas monter en pont complet, vous remontez comme ça, avec le bassin vers le ciel. Les personnes qui ont envie d'essayer le pont complet, vous envoyez les bras derrière la tête, vous pliez les coudes pour placer les mains derrière les épaules. Sur votre prochaine inspiration, on va monter d'abord sur le sommet du crâne, on s'assure que tout tient bien, et ensuite on pousse pour déplier le pont complet. Si on n'arrive pas à décoller du sol, on redescend et on prend la posture du demi-pont. Inspire. Expire. Inspire. Et expire tranquillement. On va rentrer le menton vers la poitrine. Amorcer la descente tranquillement. Les bras le long du corps, la colonne complètement à plat sur le sol. Laissez la colonne reprendre sa forme. On va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Ouvrez les bras en cactus. Et laissez tomber les genoux du côté gauche. On essaye de ne pas décoller les épaules. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Dernière inspiration. Et expire. Inspire tranquillement, on va redresser les genoux, désentrelacer les jambes, croiser la jambe gauche par-dessus la droite et tranquillement laisser tomber les genoux du côté droit. On essaye de ne pas décoller les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire tranquillement. On va redresser les genoux, désentrelacer les jambes. Vous allez pouvoir prendre les genoux contre vous, contre la poitrine et rouler de droite à gauche pour vous masser le bas du dos.
Tranquillement, vous allez pouvoir rentrer dans votre Shavasana, notre posture finale de relaxation. On va placer un talon dans chaque coin du tapis. Les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Détendez les muscles du visage. La mâchoire. La langue. Les petits muscles autour des yeux. Laissez les épaules s'ouvrir face au ciel, le bassin s'enfoncer dans le sol. Les cuisses roulées vers l'extérieur. Qui passe et qui vous traverse sans vous juger. Et profitez de ce contact symbolique avec la terre pour rendre toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin. Toutes les peurs, tous les échecs, toutes les relations que vous voulez laisser derrière vous, rendez-les à la terre. Repartir plus léger. Tranquillement, vous allez pouvoir inspirer, expirer plus profondément pour retrouver votre corps. Bougez les orteils, le bout des doigts avec des petits mouvements. Tournez la tête à droite, à gauche. Ramenez les genoux près de la poitrine, envoyez les bras derrière la tête. Et on va pouvoir rouler sur le côté en position fœtale. Profitez de ces derniers instants avec vous-même, de ce calme. Puis vous allez pouvoir repousser le sol pour venir vous asseoir en tailleur, toujours les yeux fermés. On va joindre les mains en Anjali Mudra, en prière devant le sternum. Je vais vous laisser repenser à votre intention que vous avez placée en début de pratique. Toute l'énergie, à toute l'application que vous avez mis pendant votre pratique et qui vont vers cette intention. Inclinez la tête en signe de gratitude. Prenez le temps de vous remercier. Remerciez votre corps pour cette pratique et pour tout ce qu'il accomplit tous les jours. Remerciez les personnes avec lesquelles vous avez pratiqué. Namasté. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour l'interruption au début pendant les salutations au soleil. Il y a ma concierge qui est venue me déposer des attestations. Voilà. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil du coup et que vous avez apprécié.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit samedi pour ceux qui sont inscrits chez Yoz à 11h et dimanche pour ceux qui souhaitent avec Maya Challah à 17h pour des cours tout niveau. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous avez envie d'en savoir plus sur le yoga, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou retrouvez-moi sur Instagram.